Mais bonsoir, c'est Ragboy alias Captain Lalouse. Alors c'est... Putain, je me... Mais il y a quelqu'un chez moi. Oh, la tête dans un étau. Mais fous-moi le camp, mais qu'est-ce qu'il fout là? Casse-toi, casse-toi. Mais j'ai... qu'est-ce qui s'est passé cette nuit là? Allez, dehors. Dehors. Je sais pas. Ah oui, j'ai préparé des gaufres. Ah oui, vous vous en souvenez? On va goûter. Ah oui, bon. On va encore goûter. Il faut le mettre dedans. Bon bref, j'avais passé la soirée avec Waylander et je sais pas, je me suis retrouvé au port Lissard. Et heureusement qu'il y avait Olivier Gaming et Zankel qui sont venus me chercher avec le parpin, comme j'appelle, c'est le vaisseau d'Olivier. Alors bon bah voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc je le découvre, cette fois-ci l'intérieur était enfin chargé. Une chaise d'interrogatoire. Avec une magnifique chaise d'interrogation. Non, d'interrogatoire. Interrogatoire. Bref, moi, ma chaise préférée, elle se trouve ici. Une porte, mais on voit même pas ce qu'il y a. Ah, d'accord. Les toilettes. Donc, globalement, on peut être à 3 dans cet appareil. Bon, bah, je vais pouvoir utiliser. Hop. Bon, alors, ce qui est très pratique, c'est qu'il y a plein de compartiments où on peut vomir hein, quand on est malade comme moi. Surtout après le lendemain de cuite, hein, il y a vraiment plein d'endroits. Enfin, moi, j'appelle ça des secs à vomi. Bref, je vais vous laisser. Bon, alors, Olivier a insisté absolument pour que je conduise son parpin. Franchement, j'étais pas très frais, j'avais les cheveux qui poussaient dans la tête, alors attention les dégâts. Hein. À partir du moment où tu te mets en siège, et que t'as allumé les moteurs, enfin, que t'as allumé les trucs, tu peux plus les ouvrir, ils sont bloqués. Bon alors, si quelqu'un a compris ce que dit Olivier, bon en plus l'ordinateur de bord nous trollait à mort... Elle se répète un petit peu beaucoup, la dame. Bon alors voilà, ce qui devait se produire, c'est produit quand on n'est pas très frais. Après 2-3 virages, Zankiel a jarté du vaisseau, je sais pas pour quelle raison. On va te retrouver, t'inquiète. Elle a sauté d'une grille physique, là. Bref, ça a été très compliqué, il a dû re-rentrer, traverser le sol, enfin bon, les aléas d'un... Bon. Je vous laisse ça en image. Là. Ah, t'es là, ouais. Oh, il est repassé au travers. Qu'est-ce que j'ai pu maudire sur c'était. Ah bon? Celui qui ressemble à un aigle. Ah, t'es vautré à l'intérieur. Ah ouais. Écoute, il se relève. Ça a l'air bon. Enfin bref, on est enfin parti pour démarrer. On voulait se faire un petit road trip là-bas, sortir les 4x4 et puis rouler comme des gueudins. Donc c'est parti, mon kiki. Alors, vous inquiétez pas si vous voyez le rover rentrer dans le sol quand on sera dehors. C'est normal. Hein. D'accord. À part Wissard, par purée de poids. Je sais pas, il doit y avoir une tempête de sable, je sais pas, c'est... Ouais, ça fume dans le vaisseau. Ah bon? Ouais. Vite, éteins tout. Je vois même mieux en vue extérieure plutôt qu'en vue intérieure. Bon alors, voilà, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai réussi à me garer du premier coup. Moi, les créneaux, ça n'arrive jamais du premier coup. Je comprends pas comment ça se fait que j'ai réussi à faire ça. D'ailleurs, en fait, le souci qu'il y a, c'est qu'après, une fois que je suis garé là-dessus, les 4x4 ne peuvent pas apparaître à cet endroit-là. Et c'est vraiment dommage, hein, c'est vraiment dommage de pas avoir mis des endroits pour les vaisseaux et des endroits pour les 4x4, ou les Ursa, ou les je sais quoi. Enfin bref, vous comprenez. Bon, enfin bref, comme vous comprenez, j'ai dû reprendre les commandes du terrapin, le parpaing, pour le dégager, pour pouvoir enfin avoir accès au pad. Mais vous voyez, il y avait une petite bouteille qui traînait. Alors voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. Et le pauvre, j'espère qu'il a une bonne assurance, Olivier, parce que là, c'est coton. Putain, mais c'est un truc de dingue. Je regarde pas. Non. Putain, je me déplace comme un... C'est pas possible.
Il se déplace sur les côtés, on dirait un crabe comme un hélicoptère. Non, il veut pas. Bonsoir. Bonsoir. Bah, bref, j'ai dû reprendre de la hauteur pour enfin réussir à me poser. Posé, mais pas très très droit, alors bon bah c'est rentré hein, quand même, hein, voilà, avec les patins, hein, ça s'est posé, cette bêtise, quoi, ce gros parpaing là, de l'espace. Gendarmerie nationale, arrêtez le véhicule, les papiers s'il vous plaît. Bon, après j'ai traversé une spatio-temporelle, ou le coma, itilique, je ne sais pas, je me suis réveillé, il faisait nuit, ils étaient déjà baladés en Ursa, donc bon, ils m'ont même pas attendu les saligots. D'accord, monsieur soufflé dans le ballon. Oh là. Attendez, je vais m'asseoir là, sinon je vais tout vomir. Alors bon, bah, j'ai quand même voulu faire un petit test, l'essayer, mais malheureusement, foncièrement, bah, déjà j'avais les yeux qui se croisaient. Il a fait une drôle de bruit votre rover, on dirait une voiture hybride. Et en plus, les phares éclairaient vraiment trop peu loin pour pouvoir conduire de nuit, quoi. C'est un peu l'horreur, ce truc-là. Enfin franchement, je comprends pas, il y a même pas un mode plein phare. Ah, tu vois, c'est pas mal le party leader. Bref, j'ai été vite malade, il a fallu vite que je descende de là. Bref, c'est un échec. Il me met en party leader.